Eh ben voilà, Gaïo. Monsieur Louis, et cher frère, je n'étais pas prévu de prendre la parole. J'avais voulu laisser les jeunes gens parler, puisque je sais que d'autres occasions peuvent se présenter à nous pour se parler. Mais je vais dire quand même deux mots. D'abord, je voudrais vous manifester ma joie de vous voir ici, monsieur le ministre. Mais surtout voir les cadres de Ouaragayo cet après-midi à Sam. J'ai été agréablement surpris de les voir. C'est pour cela que je prends la parole pour dire pour le moment ma satisfaction. Parce que je sais qu'une autre occasion va se présenter, elle est plus propice pour que je dise clairement ma joie qui m'anime de voir les enfants, les filles et les fils de Ouaragayo ensemble. Merci beaucoup. En tout cas, votre arrivée ici m'a procuré beaucoup de joie et je ne sais comment l'exprimer cet après-midi. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour donner quelques conseils aux jeunes gens qui viennent de prendre la responsabilité de conduire les affaires des communes. Je voudrais dire simplement des territoires de Djibéoua, de communes de Gagnoua et de Ouaragayo en tant que leur devancier. Je voudrais d'abord les remercier et puis leur donner quelques conseils. Chers frères et mes enfants que vous êtes, vous venez de prendre les responsabilités à la fois honorifiques, mais aussi à la fois difficiles. Il faut savoir s'oublier, il faut savoir se mettre à l'écoute de la population et parfois il faut se trouver en contradictoire avec vous-même, le peuple et l'administration. Mais il faut avoir une maîtrise en soi-même pour conduire les affaires des pouvoirs décentralisés. Cher frère Anthony Gaourou, je sais, vu le parcours, ta situation professionnelle, j'ose croire d'ores déjà que tu peux diriger et conduire les affaires de décentralisation à bon port. Je te remercie. Messieurs les chefs, votre présence ici cet après-midi me rassure que vous êtes des hommes de parole. Quand vous avez dit oui, on peut croire que c'est oui, parce que vous êtes tous là ce soir. C'est à votre nom, au nom de toute la population de Ouaragayo et à ma qualité de président du conseil régional, que je voudrais charger une mission spéciale à monsieur le ministre des Sports et des Loisirs. Et je suis sûr qu'il va transmettre ça fidèlement à monsieur le président de la République et au premier ministre. Monsieur le ministre, oui, je sais que beaucoup de choses se disent et dans les salons et dans les rues et que sais-je encore. Mais vous êtes à Ouaragayo. Monsieur le président de la République était à Gagnoua. Madame la présidente était à Gagnoua. Monsieur le premier ministre était à Ouaragayo et à Gagnoua. Vous y êtes aujourd'hui à Ouaragayo. Dites à monsieur le premier ministre et au premier ministre, au président de la République, pardon,
que ici à Ouagadougou, ce qui nous intéresse, c'est la paix. Nous ne sommes pas inscrits maintenant dans les histoires des révolutions n'importe comment. Qu'on cesse de nous attribuer les choses. Depuis 2013, nous vivons en paix ici. Ici, là, nous vivons en paix. On quitte ici à Ouagadougou, on va à Durabougou. On va dans le quartier Baoulé. On va dans tous les quartiers. Vous voyez là, vous constatez, le président Félix vous dit, on peut obliger quelqu'un à venir à une réception, mais on ne peut pas l'obliger à rire. Tout ce que vous voyez ici, est-ce que vous voyez quelqu'un qui a une figure serrée? Et pourtant, c'est Dao Poulin. Et pourtant, c'est Dao Poulin. C'est significatif. Dites à monsieur le président de la République, nous l'attendons. La paix là. Mais oui, c'est entre les deux personnes. Ouagadougou et lui. Nous voulons la paix. Personne n'est contre quelqu'un ici. C'est moi qui vous parle. J'ai travaillé avec Oufou Boigny. J'ai travaillé avec Kona Bétier. Et puis j'ai travaillé avec Ouattara. C'est moi qui vous parle. Hein? Nous voulons la paix ici. Et la paix là se trouve entre les deux. C'est pas le pire en attendant à côté. Nous voulons cette paix là. C'est la commission que je voudrais vous charger. Tout en vous souhaitant un bon retour, que le Seigneur vous accompagne. Merci.